l'intérieur. Donc j'accepte ses excuses. Maintenant, elle sait que voilà, maintenant qu'on se connaît, je pense qu'elle a une idée peut-être. C'est trop bon. Allô? Je reçois tous vos messages et ça me fait vraiment plaisir. Alors le jeu concours est toujours disponible, il y a encore 4 jours, donc je vous laisse en profiter parce que vous avez juste à commenter. C'est pas grand-chose, liker, commenter. Bon, il faut me follow évidemment. Je vais vous mettre ici le lien du jeu concours, comme ça vous allez sur le lien. Vous pouvez participer comme vous voulez, mettre 50 commentaires si vous avez envie. Et plus vous allez commenter, plus vous allez repartager, ben, plus vous avez une chance de gagner. Il y a quand même 1000 euros à gagner, c'est pas rien. Et si la personne que je choisis est en France, je m'arrangerai peut-être, je dis bien peut-être, pour essayer d'aller lui donner en main propre. Comme ça, ça me permettra de les rencontrer en même temps. Ce qui m'est arrivé ce matin, j'avais un rendez-vous et je me suis retrouvé dans un hall d'entrée face à face avec un coursier. Et il a commencé à mal me parler, m'agresser et me reprocher toutes les misères du monde. Insulter les filles de télé, nous insulter nous, des dingueries. Il m'a dit des dingueries, j'ai cru qu'on allait en venir aux mains. Et il m'a filmé. Donc c'est possible qu'il y ait une vidéo qui sorte. Et en fait, à ce moment-là, je ne savais pas comment réagir parce que si je l'insultais et que je me défendais, qu'est-ce qui allait se passer? Ça allait se retourner contre moi sur les réseaux. Si je faisais trop la victime, bah du coup, je serais passé pour une victime, une grosse victime sur les réseaux. Donc j'ai essayé de rester le plus poli possible en lui disant « Monsieur, je vous ai rien fait de mal, je comprends pas pourquoi vous m'agressez. Et en fait, je vous ai rien fait. Voilà, je vous connais pas. Donc s'il y a une vidéo qui sort, vous aurez l'explication avant même qu'elle sorte. Voilà, je suis désolé, je suis pas responsable de ça. » Je me suis retrouvé au mauvais moment, au mauvais endroit.